Donc l'objectif de cet exercice est de trouver l'intersection des plans définis par la face numéro 1 ici colorée et la face numéro 2 colorée, donc de cet ensemble de 3 cubes. Alors je vais commencer par dessiner en rouge des points du plan défini à partir de la face numéro 1. Donc je vais prendre la latte et prolonger en fait l'arête qui se trouve sur la face de devant. Et donc on est d'accord que la droite que je vais dessiner là est incluse dans le plan défini par la face numéro 1. De même, si je prends la parallèle ici, donc si je prolonge l'arête qui se trouve sur la face, sur les faces de derrière de ces cubes, si je la prolonge, si je prolonge l'arête, excusez-moi, on va y arriver. Ah, j'ai perdu la latte. Voilà, j'obtiens là encore une droite, je pourrais la prolonger de l'autre côté d'ailleurs, une droite qui est incluse dans le plan défini par la face de dessus colorée ici. Une de ces droites est dans la face de devant et l'autre droite est incluse dans la face de derrière. Alors je vais faire la même chose en vert avec la face numéro 2, je vais prolonger deux arêtes. Donc une arête qui se trouve sur la face de devant, comme tout à l'heure. Donc je vais prolonger cette arête-là. Cette fois, je vais la dessiner en vert, puisque là, je dessine des points qui sont donc des points qui appartiennent au deuxième plan. Et en prenant la parallèle, je vais pouvoir dessiner des points qui se trouvent également dans le plan numéro 2, mais cette fois sur la face de derrière. Les deux droites rouges et vertes qui sont sur la face de devant, bien évidemment, se coupent réellement. Donc j'ai vraiment un point ici, que je vais dessiner en bleu d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce point-là, finalement, est un point qui appartient aux deux plans dont je cherche l'intersection. De même, les deux droites qui sont incluses dans la face de derrière, dans les faces de derrière, ben, les deux droites qui sont incluses dans les faces de derrière se coupent ici. Je n'ai pas d'intersection par contre à cet endroit-là et je n'ai pas d'intersection dans cet endroit ici. Donc maintenant j'ai plus qu'à nommer ces points éventuellement. Je vais les appeler A et B. Ce sont deux points de l'intersection que je recherche et que je sais que l'intersection est une droite. Donc l'ensemble des points recherchés, c'est la droite AB que je vais pouvoir représenter. Voilà, que je vais pouvoir dessiner ici. Et l'exercice est donc terminé. L'intersection donc des deux plans définis par les faces colorées, c'est la droite AB. Voilà, je vous remercie pour votre attention.